Yeah. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette deuxième saison des conférences expériences de paysage, conférences qui sont organisées, qui sont co-organisées entre la FFP Nouvelle-Aquitaine et l'École du paysage de Bordeaux. Il va y avoir tout un cycle de, de conférences jusqu'en novembre. Et notre premier intervenant cette, cette année, c'est Denis Delbar. On est très content de l'accueillir le, de le, de la, de ici. Il va se présenter lui-même. Je, je vais laisser se, le laisser se présenter. Et euh, bah, je vous souhaite une bonne conférence à tous. Et, euh, et on se verra sur, le, sur la suite de ce cycle. Merci, Denis, d'être avec nous. Merci Rémi. Et merci à tous et à toutes euh, d'être venus m'écouter. Donc euh, alors Pour me présenter rapidement, Donc Denis Delbar, je suis paysagiste concepteur. Euh, j'ai été diplômé en 1993. Euh, j'ai tout de suite commencé une activité libérale que j'ai menée en agence, dans une petite agence lilloise qui s'appelait l'Interlieu, euh, qui a mis fin à son activité il y a 4 ans maintenant pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, sauf sous la torture. Voilà, on pourra peut-être y venir après, le, après la conférence, si vous le souhaitez. Euh, dès la fin des années 90, mes premières expériences de chantier euh, m'ont euh, amené à percevoir un écart, parfois considérable, entre euh, les valeurs qu'on m'avait enseignées à Versailles. C'était Versailles. Et ce que je voyais sortir de terre dans ces chantiers d'espace public, je me suis dit qu'il y avait un gap, là. il y avait une espèce d'écart de... entre euh, voilà, le... les valeurs, les idées que nous portons, nous paysagistes, je pense, une espèce de générosité peut-être, une idée assez généreuse de ce que doit être l'espace public, et puis euh, la réalité sociale à laquelle on est confronté, la réalité politique. Et donc, j'ai eu envie euh, de, de réfléchir à tout ça et je me suis engagé dans un parcours de recherche. Donc, j'ai passé un doctorat. Euh, je l'ai obtenu en 2004. Et puis, à partir de là, j'ai poursuivi une activité de recherche parallèlement à mon activité libérale. Euh, C'est cette activité qui va d'ailleurs alimenter un certain nombre de, de choses que je vais vous dire ce soir. Et puis, euh, en 2005, a été créée l'école du paysage de Lille. Donc, j'enseigne dans cette école depuis sa création. Euh, et voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, euh, paysagiste, chercheur, ça fait chercheur de paysage. C'est le, le, le titre que je me suis donné. <laughs> et, euh, et voilà. Alors. Ma conférence, elle va, elle va porter sur une spécificité de la démarche du projet de paysage, dont je pense que vous l'identifiez toutes et tous. Cette spécificité, euh, c'est son rapport au temps. Le projet architectural, vous le savez, produit un objet tridimensionnel, immédiatement opérationnel, et censé se transformer marginalement, alors que le projet de paysage, lui, il implante dans le territoire un espace dont la fonctionnalité n'est parfois que partielle, dont les formes et les ambiances ne sont pas encore accomplies, parfois même elles ne peuvent pas être aperçues, et dont les constituants sont appelés à se transformer, parfois de façon radicale. D'ordinaire, on impute pardon, cette temporalité particulière au fait que le projet de paysage mobilise des matériaux vivants. Le végétal, bien sûr, mais aussi le sol et l'eau qui s'y écoulent, autant de matériaux qui ont besoin de temps pour croître et pour se développer. Moins fréquemment, on associe le rapport au temps du projet de paysage au fait que, par ailleurs, il produit des espaces destinés à des usages dont la planification est toujours aléatoire et l'évolution imprévisible. Les espaces que nous dessinons, peuvent être initialement destinés à des fonctions sportives ou récréatives, puis être réaffectées ensuite à des usages imprévus, comme l'installation d'un marché, d'une foire ou l'adjonction d'équipements divers. Le changement des populations qui en ont l'usage, la mutation sociologique des quartiers dans lesquels nous intervenons, expliquent aussi que souvent, les pratiques qui s'y déploient changent substantiellement et modifient l'espace en retour. Bref, parce qu'il mobilise des matériaux vivants et constitue la forme d'une vie sociale en constante évolution, le projet de paysage produit des espaces dont la qualité ne peut s'apprécier pleinement que plusieurs années après la réception des travaux. Il est donc tout à fait paradoxal que les organes médiatiques de nos professions, comme les revues spécialisées, les sites Internet des agences, les expositions, montrent nos réalisations le plus souvent quelques mois, voire quelques semaines après la fin des chantiers. L'herbe y apparaît certes bien verte, les jeunes arbres y ont encore toute la vigueur que leur lente préparation en pépinière leur confère, les sols et les mobiliers urbains sont impeccables, mais à ce stade, il s'agit davantage d'œuvres architecturales que paysagères. Je pense que, en entretenant une telle ambiguïté et en donnant à penser aux donneurs d'ordre que le temps, au fond, reste une dimension peu significative de la qualité du travail des paysagistes, on entretient la confusion avec le travail des architectes ou des maîtres d'œuvre, et il ne faut pas s'étonner alors que ce que ces derniers s'emparent si facilement d'une forme d'activité pour laquelle, en réalité, ils ne sont pas formés. Quand nos revues, nos publications nos expositions et nos sites internet montreront et discuteront nos projets tels qu'ils sont 10 ans, 20 ans ou 30 ans après leur livraison. Le paysagisme s'affirmera enfin comme détenteur d'un savoir-faire et d'aspirations qui lui sont propres et que peu pourront lui contester. C'est fort de cette conviction que je suis devenu, depuis une vingtaine d'années, un arpenteur et un conteur de projets de paysage. Je me suis constitué peu à peu. Un catalogue de projets à partir d'articles tirés du Moniteur des travaux publics, de la revue Page Paysage ou des dossiers de référence publiés par de nombreux confrères. Et j'ai référencé ces projets sur une carte. Cette base de données me permet d'identifier, chaque fois que j'ai l'occasion de me déplacer, les projets que je pourrais visiter. Et ce sont ces visites qui, peu à peu, ont nourri ma réflexion sur ce que nous faisons, puis. Une véritable démarche de recherche de paysage qui se poursuit depuis l'obtention de mon doctorat en 2004, en parallèle de mon, activité, de mon activité libérale, dont je vous ai dit en introduction que je l'ai menée de 1993 à 2018. Dans le cadre de cette activité de recherche, mes premiers terrains d'investigation ont été les projets de paysage réalisés dans le cadre de la construction des grands ensembles français. De 2006 à 2009, j'ai eu la chance de travailler aux côtés de l'architecte Bernadette Blanchon et de l'historien Jorn Garlef sur une commande que nous avait adressée la direction de l'architecture et du patrimoine du ministère de la Culture, qui voulait établir un panorama de la production paysagiste dans les ensembles urbains des Trente Glorieuses. Les premiers grands chantiers de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, battaient alors leur plein, et quelques chargés de mission au sein du ministère ont eu la bonne idée de s'inquiéter de l'agressivité de ces opérations de démolition. L'article pionnier de Bernadette Blanchon avait alerté sur l'existence d'une production paysagiste de qualité dans les grands ensembles, et c'est ainsi qu nous a, que nous a été confiée une liste de 320 d'entre eux, répartis dans toute la France, et dont il s'agissait d'évaluer la qualité paysagère. Nous avons dû mettre en place une méthode sélective pour éviter la submersion. Un premier niveau d'analyse a consisté à lire ce qui avait pu être publié au sujet de ces quartiers lors de leur construction et à examiner par photographie aérienne la structure des espaces extérieurs. Ceci a donné lieu à un classement typologique qui a été publié dans un très beau livre sur les grands ensembles. A partir de ce classement, nous avons resserré l'enquête sur une soixantaine de grands ensembles particulièrement riches. Et nous avons investigué de façon systématique ces terrains sur place, produisant coupes et reportages photographiques, synthétisés dans des fiches descriptives qui ont permis, dans certains cas malheureusement trop peu nombreux, de tempérer les ardeurs destructrices de plusieurs chantiers de l'enrue. Enfin, nous avons distingué une dizaine de projets particulièrement remarquables pour lesquels nous avons mené des enquêtes plus soutenues, notamment en archives et auprès des acteurs survivants de ces projets. Ce que j'ai découvert en arpentant les grands ensembles français, ce sont bien souvent des paysages urbains de grande qualité, mais dont le mode de production m'a profondément surpris. Par manque de temps, je dois vous renvoyer ici à mon second livre, Table rase et paysages, où j'analyse plusieurs exemples. Alors, parmi ces paysages urbains qui m'ont beaucoup intéressé, celui de la cité de Farréberce-Villers, en Lorraine, est très représentatif. Ce quartier a été construit dans les années 50 et 60 par l'architecte Pinguçon, un grand architecte, sur les pentes d'un vallon tourné vers le sud. Le quartier présente en son centre, comme vous le voyez, j'espère, un grand parc sommairement aménagé, mais dont les pelouses et les bosquets accueillent autour d'un talweg bien nivelé les jeux et loisirs de nombreux habitants. Vous le voyez, le parc. Les logements sont répartis autour de ce parc, en amphithéâtre, et disposés sur un étagement de terrasses séparées les unes des autres par des talus d'environ 2 mètres, parfois traversés par de petits escaliers en béton, simples mais efficaces, passant entre des plantations de mirabelliers. Sur chaque terrasse, les immeubles sont orientés d'est en ouest pour offrir leur plus grande façade au sud. L'espace est occupé alternativement par des parkings et par des pelouses que traversent les sentiers de terre formés par les déplacements pédestres. De terrasse en terrasse, on gagne finalement celle qui surplombe le quartier et que souligne un très beau mail de platane. Comme le montre l'axonométrie que j'ai dessinée à l'issue de cette visite, tout cela présente une belle cohérence. Et c'est avec enthousiasme et je me suis précipité sur les archives de Pingusson, conservées à l'Institut français d'architecture, pour y trouver les plans de ce beau projet. Mais dans la boîte ne figuraient que des dessins d'études ne portant que sur l'implantation en masse des bâtiments. Les dossiers de travaux ne contenaient aucun plan de terrassement, aucun plan de plantation, pas le moindre petit schéma attestant d'une intention de projet. Au contraire, un reportage photographique du chantier montrait uniquement l'édification des bâtiments et les quelques courriers et compte-rendus de chantier sont les seuls éléments qui m'ont permis de reconstituer l'histoire probable de ce magnifique projet de paysage. Travaillant dans la hâte, Pingusson n'a pas anticipé le nivellement des pentes et la formation des terrasses. Ce sont sans doute les entreprises de gros œuvres qui, devant installer leurs engins, et ne pouvant le faire sur ses pentes, ont d'abord modelé grossièrement ces terrasses. Parmi elles, seule la terrasse supérieure et son mail ont été plantées à l'issue du chantier, bien que les plans ne fassent allusion qu'à un alignement simple. Le parc central n'a pas été dessiné, ni même vraiment programmé. L'espace qu'il occupe devait être investi par un programme de logement individuel groupé qui finalement a été abandonné dans les années qui ont suivi le chantier. Le terrain vacant étant ensuite affecté à l'usage de parcs publics. Quant aux escaliers et aux talus plantés, ils sont l'œuvre des services techniques de la ville de Farréberce-Villers qui, 20 ans après le chantier, peut-être parce que les familles devaient se plaindre de ne gravir ces talus, qui n'avaient jamais été conçus pour cet usage, comme je l'ai dit, que par des chemins de terre boueux, ont décidé de les stabiliser, de les équiper et de les planter. Ce que le cas de Faréberz-Villers m'a appris, et que j'ai retrouvé sur la plupart des terrains que j'ai investigués, c'est qu'ici le projet de paysage n'est pas passé par un travail de conception homogène, mais s'est réalisé peu à peu par sédimentation d'une série d'actions non concertées et aléatoires. J'insiste sur ces deux qualificatifs non concertées et aléatoires. Les nécessités d'une entreprise de gros œuvres ont forgé la matrice topographique d'un paysage. Les plantes ont investi un terrain vague central et lui ont fourni l'architecture d'un parc. Les pratiques de traversée d'une terrasse à l'autre ont généré un réseau de cheminement, de cheminement qu'il a fallu stabiliser. Cette lecture du projet de paysage par le temps long invite donc à en reconfigurer le cadre de compréhension. Le projet de paysage apparaît ici moins comme l'effet d'un projet dessiné par un concepteur que comme l'assemblage harmonieux, quoique fortuit, d'actions menées par les acteurs biologiques et sociaux du lieu. On pourrait toutefois considérer que ce type de projet constitue un cas limite dans la production paysagère puisqu'en effet, la plupart des grands ensembles n'ont pas fait l'objet de projets confiés à des paysagistes. Les assemblages que j'ai observés pourraient donc n'être le fait que d'une sorte d'effet compensatoire induit par l'absence de conception initiale. Je me suis donc intéressé ensuite à des lieux ayant fait l'objet de projets complets et explicites sur la base d'investigations qu'on peut alors clairement qualifier de critiques. L'accumulation des reportages que j'ai commencé à effectuer à cette période a fourni à partir de 2013 nombre de ces premiers matériaux à la revue de critiques de projets de paysage en ligne que j'ai créée avec quelques collègues, la revue Ban Public, dont le 57e numéro sortira dans les prochains jours. Si vous ne connaissez pas cette revue, je vous invite à aller la voir. C'est gratuit, on peut s'abonner et vous recevez un article tous les 6 à 8 semaines, quand il n'y a pas d'interruption avec les vacances. Et il y a d'ailleurs dans l'avant-dernier numéro un excellent article de Rémi Berkowitz. Bref, la plupart de ces investigations ont en fait confirmé ce que j'avais observé dans les grands ensembles. Dès qu'on s'intéresse à la production ordinaire des paysagistes, c'est-à-dire à des espaces publics produits avec un ratio au mètre carré modeste et à partir de matériaux essentiellement végétaux, les acteurs biologiques et sociaux jouent un rôle éminent dans la mise en forme de l'espace. Mais ces études ont mis en lumière un autre niveau de complexité pour penser le temps long du projet de paysage. C'est que ce temps long ne doit pas être pensé uniquement dans la durée du temps qui suit le chantier, mais aussi dans celle qui le précède. Bien souvent, ce que les concepteurs dessinent, s'inscrit dans la poursuite, certes rarement assumée, de projets qui les ont précédés, à tel point qu'on peut relativiser fortement la notion d'auteur à leur sujet. Tout comme la cité de farrebert le parc de la Deule, aménagé entre 1995 et 2005 sur 450 hectares entre Lille et Lens, le long du canal de la Deule, a joué un rôle important dans cette prise de conscience. Réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Lille et du syndicat mixte du parc de l'Adol, ce parc a été dessiné par Jacques Simon. Ça va Jacques Simon, ça vous dit quelque chose Associé à l'agence bruxelloise JNC International. Le foncier, comme vous le voyez sur le plan de masse, en est fragmenté en quatre entités. Que ne relie que de façon ténue le canal de la Dolme, c'est la ligne bleue, hein, vous aviez compris, et que rassemble de communes problématiques de pollution des sols. Le coup de génie des paysagistes a été ici, premièrement, de se doter d'un fil conducteur pour penser la continuité des sites à aménager le long d'une ancienne rigole d'assèchement agricole, la Becque de la Tortue, parallèle au canal et formant un fil d'Ariane sans avoir à investir les bords à canal, alors que les voies navigables de France étaient peu disposées à investir dans un remodelage significatif de leurs berges. Deuxièmement, pour donner au parc une certaine homogénéité malgré son périmètre morcelé, les paysagistes ont établi, en partenariat avec les agriculteurs concernés, une charte paysagère permettant d'agir par petites touches sur leurs propriétés pour faire monter en qualité paysagère le territoire bien au-delà du strict périmètre aménagé. Pour l'essentiel, le projet prend la forme d'un travail autour de l'eau dans ce fond de vallée de la Deule particulièrement plat. Il s'agit d'une série d'étangs, de mares, de larges nous dont les formes se déclinent d'un bout à l'autre du parc. Le parc de la Deule constitue un cas d'école. En cela qu'il est rare que des projets d'une telle envergure parviennent à voir le jour en si peu de temps. Vous pouvez penser au parc des comment il s'appelle le parc à côté de Blanc des Joaillers, c'est ça Le hein Parc ouais, Voilà. Ça, ça fait des décennies qu'on en parle de ce truc-là. Ah, ben ça tombe bien. Je leur poserai la question de comment ils vont faire. Et alors donc pourquoi hein pourquoi ce projet d'une telle envergure a réussi 450 hectares, hein, c'est pas rien, a réussi à voir le jour en aussi peu de temps Eh bien cela s'explique assez simplement par le fait que le foncier était ici entièrement maîtrisé par la communauté urbaine de Lille, chose assez rare pour que je m'en sois étonné. J'ai alors découvert que, bien que les promoteurs du parc les présentaient comme une création absolue, notamment lorsque le Grand Prix du paysage lui fut décerné, il a en fait exploité les terrains acquis durant 20 ans par l'Agence de l'eau dans le cadre d'un projet antérieur, dessiné par le paysagiste Jean Chalet, au sein de l'Oréam Nord, cet organisme chargé par l'État à la fin des années 1960 de la planification de la métropole dans la perspective de rééquilibrer le développement du pays, jusque-là trop exclusivement centré sur l'île de France travaillant au sein d'une équipe pluridisciplinaire, Jean Chalet pensait, en s'appuyant sur les pronostics des démographes, que l'agglomération Lilloise et le bassin minier finiraient par se rejoindre pour former une inextricable conurbation. Il avait alors proposé de sanctuariser 2000 hectares d'espace ouvert entre les deux agglomérations, à la fois pour former une coupure verte, pour en faire l'immense central park, d'une vaste aire urbaine centrale et pour protéger les champs captants qui, sur ce territoire, assuraient l'approvisionnement de la moitié de l'eau potable consommée sur la métropole lilloise. Ce projet fut inscrit au premier SDO de la communauté urbaine, SDO, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme l'ancêtre de nos Scots, si vous voulez. Scots. Ça va Oui. Donc, ce projet fut inscrit au premier Zdo de la communauté urbaine et les acquisitions foncières commencèrent au début des années 70 sur la base d'expropriation obtenue à l'issue d'une DUP. DUP. Ça va Ça va ou pas Déclaration d'utilité publique. C'est ce qui permet à la puissance publique d'exproprier des particuliers pour réaliser un projet. Parce qu'on ne peut pas exproprier comme ça. Hein. Il faut quand même. Euh, voilà. Il faut qu'il y ait une bonne raison. On doit démontrer que c'est pour l'intérêt général qu'on le fait. Un tel procédé ne pouvait malheureusement que heurter les intérêts de certains acteurs du territoire, les agriculteurs, mais aussi derrière eux de nombreux industriels puisque la portion de canal concernée par le projet comptait de nombreux rejets industriels qui auraient été interdits. Les élus locaux furent interpellés par leurs administrés et le projet du parc de la Dole devint bientôt si impopulaire que lorsque les lois de décentralisation donnèrent aux communes l'autorité en matière d'aménagement, donc au début des années 80, il devint évident que le projet ne verrait jamais le jour. Or, la loi sur les expropriations oblige l'instance expropriatrice à réaliser le projet pour lequel la DUP, déclaration d'utilité publique, a été prononcée dans les dix ans qui suivent l'acquisition des terrains. Si bien qu'au début des années 1980, l'État se trouvait propriétaire de centaines d'hectares dont il ne pouvait plus rien faire. Rendre les terrains aux anciens propriétaires était inconcevable on tenta de les transmettre au Conseil général du Nord pour alimenter sa politique de développement d'espaces naturels sensibles en vain. Banque de bol, le département venait de passer à droite l'État à ce moment là était à gauche, hein. c'était l'époque de Mitterrand. Donc en vain. Et c'est finalement Pierre Mauroy, maire de Lille, ancien premier ministre, président de l'Internationale socialiste, et depuis peu élu président de la communauté urbaine de l'île, qui récupéra les terrains, créa une maîtrise d'ouvrage dédiée et relança en 1995 un concours sur la base d'un programme qui, bien évidemment, se garda bien d'évoquer, de quelque manière que ce soit, le projet antérieur, sans lequel, pourtant, le nouveau projet n'aurait jamais pu voir le jour. Les paysagistes étaient évidemment informés de ce précédent, si bien qu'il est intéressant de constater qu'au-delà de la transmission du foncier, le nouveau parc de la Dole, à force de vouloir se distinguer du projet qui l'a précédé, n'a fait en un sens que le reconfigurer sans en changer les objectifs fondamentaux. La protection des champs captants est restée l'argument central de la démarche. La reconquête de la becque de la tortue, dont je vous ai parlé, vous vous souvenez, le petit fil que j'ai indiqué en rouge, fait étrangement écho à une série de rigoles que Jean Chalet avait dessinées pour relier un étagement de bassin, vous le voyez sur l'extrait de son plan de masse, motif principaux de son projet, destiné, selon un procédé audacieux, à assainir les eaux polluées de la Dolle avant de les réinjecter dans les nappes aquifères. Or, on retrouve cette chaîne de bassins. Dans le projet de Simon et de JNC International. Il semble donc que la transmission d'un projet à l'autre soit bien plus intense qu'on ne pourrait le croire de prime abord. Cette enquête sur la généalogie du parc de la m'a d'ailleurs amené encore plus loin dans le temps. En lisant les notices de projet rédigées en 1968 par Jean Chalet, j'ai remarqué qu'il y précise que les bassins qu'il préconisait devaient être creusés à des endroits. Où il avait observé, lors de ses sorties sur le terrain, la préexistence de terrains bas et marécageux. Or, l'examen des cadastres napoléoniens des communes concernées montre l'origine de ces marées sous la forme de vastes étendues d'eau dont les archives départementales éclairent l'origine. Il s'agit de bassins artificiels creusés lorsque Vauban construisit la citadelle de Lille et voulu disposer de réserves d'eau en toute saison pour inonder ses abords en cas d'attaque. Ces flots, hein, c'est comme ça qu'on les appelait, étaient reliés par une rigole, et maintenus au moyen de vannes qu'il suffirait de lever pour conduire les eaux jusqu'à la citadelle. Et cette rigole est l'ancêtre de la bec de la tortue dont Jacques Simon a fait le fil conducteur de l'actuel parc. Au terme de cette enquête... Sait-on vraiment ce qu'est le parc de la Dole Est-ce le projet de Simon et de JNC qui en ont assuré la maîtrise d'œuvre tout de même Est-ce plutôt celui de Jean Chalet qui en a fixé le périmètre, rendu possible la maîtrise foncière et fixé les grands principes hydrauliques Est-ce celui de Vauban qui a posé l'infrastructure à partir de laquelle, par la suite, les paysagistes ont pu travailler Ou bien est-ce l'œuvre partagée de tous ces concepteurs ah. Alors, vous vous souvenez peut-être, enfin, vous connaissez peut-être ce propos de Michel Corajou, Michel Corajou, que j'ai placé en exergue de mon dernier livre. Je vous le lis. C'est une autre dimension du paysage qui m'intéresse, celle de l'antériorité des sites sur lesquels on nous demande de projeter. Tous les espaces que l'on veut modifier, aussi déficients soient-ils, ont déjà fait l'objet de nombreuses affectations, de plusieurs aménagements, dont ils gardent certains témoignages. Ils sont enchâssés dans un ensemble plus vaste d'espaces mitoyens avec lesquels ils entretiennent de multiples relations. C'est ce que j'appelle enfin, c'est ce qu'il appelle, hein, ce pas moi, c'est Michel Courageux. C'est ce que j'appelle leurs divers horizons. L'histoire, toujours très longue, qui leur a donné leur statut actuel, m'interdit de penser qu'ils sont tout à fait disponibles. C'est beau ça, non? Hein Michel Courageux. Hein cette recommandation nous invite à opérer un nouvel élargissement dans notre compréhension de ce qu'est un projet de paysage. Nous avons vu tout à l'heure qu'il faut le comprendre non seulement comme l'œuvre d'un concepteur, mais aussi comme celle des acteurs biologiques et sociaux qui le construisent par sédimentation de leurs actions. Nous devons aussi comprendre maintenant que cet apport du concepteur convoque toute une chaîne d'acteurs antérieurs ignorant les uns des autres si bien que le temps long du projet de paysage est aussi bien un temps antérieur que postérieur au chantier. Parvenu à ce stade de ma réflexion, une nouvelle question se pose. On pourrait se demander en effet si, à force d'étendre le champ du projet, il reste pertinent d'employer ce terme. L'anthropologue du projet, Jean-Pierre Boutinet, a défini le projet comme une action volontaire, destinée à transformer un espace, sur la base d'un dessin préalable, ambitionnant d'anticiper les contraintes susceptibles de contrarier cette transformation. Or, ici, le volontarisme du concepteur semble réduit à bien peu de choses. S'il joue un rôle incontestable pendant le fragment de temps qu'occupe sa mission de maître d'œuvre, celle-ci ne parvient finalement à agir sur la forme du paysage que de façon partielle, voire minoritaire. Si les transformations induites par les acteurs biologiques et sociaux jouent un rôle équivalent, voire supérieur, à celui du concepteur dans la mise en forme de l'espace, ou si ce que le concepteur met en forme n'est pas vraiment de son fait, mais reconduit ou réinterprète le legs d'un concepteur plus ancien, peut-on encore parler ici d'un projet A priori, la réponse qui s'impose à cette question est négative. On ne voit pas au nom de quoi un concepteur pourrait voir un projet là où confluent l'effet de tant d'actions inanticipées ou inconscientes. L'affirmation inverse supposerait que le concepteur reconnaisse effectivement dans ce qui résulte de l'action conjuguée de toutes ses contingences antérieures et postérieures à son action le parachèvement paradoxal de ses intentions propres. Et c'est précisément cette dernière hypothèse que j'ai voulu défendre et tester dans mon dernier ouvrage, Altération paysagère. Ce livre repose sur le constat selon lequel un concepteur, dans la plupart des cas, lorsqu'il met en œuvre un projet de paysage, ne parvient pas à y mener à leur terme ou à leur exact niveau d'accomplissement l'ensemble des intentions qu'il a imaginées. Nous le savons tous. Vous le saurez de plus en plus en entrant dans votre vie professionnelle, entre l'enthousiasme de l'esquisse et la réalité du projet final, il y a souvent un gap et parfois un abîme. L'idée selon laquelle le projet tel que réalisé recouvre le projet tel que conçu doit être relativisée au minimum. Or, ce constat introduit un espace entre intentionnalité et effectivité du projet à l'intérieur duquel, justement, il devient peut être possible de penser autrement l'effectuation des intentions à travers des apports disparates des autres acteurs du projet, et bien que ceci ne se soit jamais proposé de le parachever. Vous avez un peu mal à la tête, là, hein hein ça devient dur là. Ah, il y a toujours un moment dans une conférence, il faut s'accrocher un peu, quoi. Ça, c'est le moment où il faut s'accrocher, c'est maintenant que ça se joue. Donc courage. Pour tester cette hypothèse, il me fallait poursuivre mon enquête critique sur des projets dont j'aurais une connaissance très fine des intentions initiales portées par leur concepteur. Comment juger en effet de la relation que telle ou telle modification apportée au projet après sa réalisation entretient ou non avec les intentions initiales du concepteur si celles-ci ne sont pas connues dans leur moindre détail Et le moyen le plus simple de remplir cette condition m'a semblé être d'enquêter sur la transformation de mes propres projets, de réaliser un reportage complet de leur transformation et de le mettre en dialogue avec les intentions initiales que j'avais portées, telles que les archives de ces projets en attestent. Je pourrais revenir ultérieurement sur les conditions évidemment problématiques d'une telle enquête. Et je me concentre, mais je me concentrerai sur un cas d'étude particulièrement expressif des résultats auxquels je suis parvenu à propos du parc du Bois-Laurent, un parc urbain de 14 hectares que j'ai conçu et réalisé au nord de l'île entre 1995 et 2002. Ce parc a pris place sur un ensemble de champs situés entre les trois quartiers de la commune de Ronc, Ronc-Centre, le hameau du Blanfour. Et le quartier des Chahuans, qui est constitué de lotissements des années 1980. Ces trois morceaux de ville ne communiquaient pratiquement pas de part et d'autre de cet ensemble de champs. Et ils n'étaient reliés que par une nationale peu avenante et par une voie ferrée abandonnée mais non désaffectée. Le terrain présentait une pente significative qui l'orientait vers de larges vues sur la plaine flamande. Le projet a consisté à transformer les étendues qui faisaient obstacle à la réunion des trois quartiers en un cœur paysager sur lequel elles pourraient se retrouver. Un réseau d'allées fut tracé depuis les lisières de chacun des trois quartiers pour donner accès aux allées internes du parc, dont la rectitude permettait de faire des pistes de déplacement efficaces à pied et à vélo. À la croisée de ces allées, divers équipements étaient programmés un local d'activité pour les jeunes, une salle des fêtes, mais aussi des jardins potagers, un jardin pédagogique et un étang. La mise en œuvre de ce projet, pourtant choisi à l'unanimité du jury, par le jury de, du concours, pardon, a été confrontée à trois problèmes principaux qui ont induit des écarts significatifs entre le projet tel que conçu et le projet tel que réalisé. Le premier et le découpage du chantier en deux phases, comprenant chacune une moitié du parc, une grosse moitié pour la première, une petite pour la deuxième, la première phase devant accompagner la construction du local des jeunes, quand la seconde devait accompagner la construction de la salle des fêtes. Si la première phase fut réalisée de façon assez rigoureuse, l'achèvement de la seconde fut interrompu par les élections municipales, qui vit perdre l'équipe en place au terme de péripéties que je n'ai pas le temps d'exposer en détail. Élue sur un discours antifiscaliste, la nouvelle équipe s'empressa d'annuler le permis de construire de la salle des fêtes, jugée trop coûteuse, et la partie haute du parc, dû être achevée au rabais. Le second problème concerne la politique d'acquisition foncière induite par le projet. Pour que les allées du parc soient parfaitement raccordées au quartier qu'il s'agissait de relier, certaines parcelles devaient être achetées et ne le furent jamais dès que la nouvelle équipe municipale prit place, alors que la précédente avait engagé les démarches d'acquisition. La désaffectation officielle de la voie ferrée, qui devait créer les conditions de sa transformation en une large allée plantée, n'intervint, elle, que plusieurs années après la fin du chantier. Si bien que la plupart des accroches urbaines du parc ne furent jamais réalisées. Pardon. Enfin, troisième problème, la gestion du parc par la nouvelle équipe municipale fit très vite abstraction des qualités que je m'étais efforcé d'y introduire. Une bonne partie du travail ayant consisté à transformer les champs en prairies de fauche ou en pâture pour laisser passer les vues vers le panorama de la plaine en contrebas du site. Au contraire, dans les années qui suivirent la réception des travaux, la municipalité fit construire une aire de jeux, deux skateparks, terrassés à même la pente et refermant les vues, donnant à l'ensemble d'une base de loisirs l'aspect d'une base de loisirs pardon, à ce qui devait être. Un espace de respiration et de convivialité au cœur de la ville. Ici comme ailleurs, donc, les acteurs sociaux, et dans une moindre mesure biologique, ont transformé le projet et doivent être considérés comme concepteurs au même titre que le paysagiste. Mais il semble assez évident que les apports des acteurs sociaux n'ont aucun rapport avec les intentions du projet initial, puisqu'il les contrarie largement. Ça va, vous me suivez? Pourtant, à suivre l'évolution du parc sur 20 ans, je me suis peu à peu rendu compte que, au-delà des premières dégradations du projet, un autre lieu se faisait peu à peu jour. Le premier événement a été la désaffectation finalement obtenue de la voie ferrée et sa transformation, conformément à mon projet, en voie verte. Subitement, un accès direct et confortable a été créé entre les lotissements des chats et le centre de Roncq, ce qui a eu pour effet d'augmenter sensiblement la fréquentation du parc, mais aussi de l'insérer dans un ensemble plus vaste. La désaffectation de la voie, en effet, n'a pas concerné que le tronçon Roncois et a ouvert des possibilités d'itinéraire bien au-delà, vers Tourcoing et vers la frontière belge. Très vite, la piste est devenue un itinéraire emprunté par des cyclistes et des promeneurs venus d'ailleurs et ne faisant qu'une brève étape dans le parc. La ville a fini par baliser cet itinéraire. Le lieu s'est en quelque sorte linéarisé et son centre de gravité s'est déplacé du centre du parc vers sa périphérie. Du coup, la partie du parc en contact avec l'ancienne voie ferrée est devenue la façade principale de l'ensemble. Les plantations que j'y avais réalisées ont fait l'objet d'un suivi soigné et les allées que j'y avais tracées sont bien entretenues et très fréquentées, alors qu'il n'était pas évident dans le projet initial, que nous parviendrions à guider le public jusqu'à cette partie du site alors la plus éloignée. Par un biais étrange, les péripéties de l'histoire du parc ont concouru ici à atteindre l'un de ses objectifs les plus incertains. Un autre événement plus diffus a concerné les autres liaisons entre le parc et les quartiers riverains, que l'abandon de la construction des allées de jonction avait totalement comprimé. La construction dans le cœur du parc des équipements de loisirs et de sport dont j'ai parlé précédemment (aire de jeux, skate park) a eu pour effet d'en accroître la fréquentation par les usagers venus au parc en voiture. Le parking de 50 places que j'avais dessiné s'est vite trouvé saturé et il est devenu impossible de l'agrandir car les équipements ajoutés ont été implantés au plus près de ce parking, selon une logique purement fonctionnaliste que nous connaissons bien pour la combattre chaque jour. L'effet de saturation fut bientôt tel que les riverains ont fini par renoncer à prendre leur voiture et ont préféré se rendre à pied au parc et, en l'absence d'aller confortable, ont taillé leur itinéraire à travers les haies et les bosquets, générant un réseau de sentiers sauvages rudimentaires mais efficaces. Les lisières du parc sont désormais entourées de tels sentiers dont l'existence est officialisée par les services techniques, puisqu'ils les stabilisent sommairement en y déposant du mulch. Ce type de chemin, certes, ne correspond pas à ceux que j'ai initialement dessinés, mais comment ne pas y voir pourtant la résurgence, par-delà les péripéties de la mise en œuvre du projet, des intentions qu'il avait fondées hum Comment Cet exemple. Et l'analyse de, des sept projets que je présente dans mon livre invite, selon moi, à réévaluer la manière dont nous pensons les transformations de nos projets. Plutôt que comme des défigurations, nous pouvons les comprendre comme des chemins tortueux par lesquels le projet devient autre, mais ce faisant renoue aussi avec lui-même. C'est pourquoi je préfère employer le terme d'altération pour décrire ce processus. Ce mot. Forgé sur la racine latine alter, désignant l'autre, dit bien, selon moi, comment la temporalité du projet de paysage le maintient dans un état d'ouverture qui, loin de dévoyer le projet, lui permet paradoxalement d'aboutir. Arrivé à ce stade de ma réflexion, vous comprenez bien que pour moi, il n'y a pas de raison de considérer les effets du temps sur le projet de paysage comme relevant d'une réalité et de finalité qui lui seraient foncièrement étrangères. Les acteurs biologiques et sociaux, ainsi que les aménagements anciens qui fondent l'archéologie de nos projets, ne sont pas les ennemis du projet, mais ses alliés. Pour peu que nous sachions voir une forme de rationalité là où nous avons l'habitude de ne voir que chaos, incertitude et hasard. J'ai ainsi distingué à l'intérieur de cette mécanique de l'altération sept formes topologiques élémentaires. Celle de la ruine, celle de l'île, celle du socle, celle du tracé. Celle du bois, celle du germe et enfin celle du pôle, que je ne détaillerai pas ici, je vous rassure. Chacune de ces formes est une modalité spécifique d'altération des projets, une voie que le projet peut suivre parmi la multiplicité des scénarios altératifs possibles. Elles peuvent se combiner, bien sûr, et il est vraisemblable que la poursuite de mes enquêtes critiques m'amènera à en imaginer d'autres. Je conçois bien par ailleurs que l'élargissement du champ du projet auquel cette théorie vous invite peut rendre l'emploi du terme projet malgré tout trop ambigu. Ce qui se construit dans le temps long, il ne faudrait peut-être pas l'appeler projet, mais méta-projet. Le terme est pompeux en diable, mais il est juste pourtant. Il désigne un projet au-delà du projet, qui se réaliserait à travers les actions des concepteurs, mais aussi des co-concepteurs que sont les paysagistes qui les ont précédés, autant que les acteurs biologiques et sociaux qui ajustent, bricolent, reconfigurent, et ce faisant, le parachève. On pourrait représenter sa mécanique à partir du scénario suivant. Tout projet, vous le savez, est censé partir d'une demande sociale. Les paysagistes ne sont pas censés faire des projets pour leur bon plaisir, de fond parce que. À un moment donné, une partie de la société en exprime le besoin. Cette demande sociale, elle va être transmise généralement aux pouvoirs publics qui vont produire un programme, c'est-à-dire définir les fonctionnalités du futur projet, non pas encore ses formes, mais ses fonctionnalités, ses usages, les besoins auxquels il s'agit de répondre. Mais ce programme ne prend pas en compte la totalité de la demande sociale, pour diverses raisons d'une part parce que certains aspects de cette demande sociale peuvent contrarier ceux qui ont le pouvoir certaines catégories sociales qui portent ces demandes peuvent ne pas être considérées voire être déconsidérées par les élus par exemple qui vont euh, dont les services vont mettre en forme ce programme. bref il y a forcément un décalage qui s'installe entre un programme d'aménagement et la complexité de la demande sociale à laquelle il est censé répondre. Ce qui veut dire que, quand un projet est engagé, en fait, il n'y a pas un projet, il y a deux projets. Il y a le projet officiel qui va être exprimé par ce programme et il y a ce qu'on pourrait appeler le projet virtuel, dans le sens où il n'existe pas, n'est même pas traduit dans un programme, mais qui correspond à toutes ces demandes qui existent réellement, la demande sociale non prise en compte par le programme. Alors le programme, lui, eh ben, il va vivre sa petite vie de programme, et puis il va y avoir une consultation, on va désigner une équipe de maîtres d'œuvre qui vont être chargés de dessiner un projet à partir de ce programme. Sauf que là, c'est la même chose. Le projet va minorer certains éléments, certains objectifs portés par le programme. Vous le savez, hein, si vous vous êtes déjà intéressé à des histoires de projets de paysage, il y a toujours un écart, Il y a certains éléments du programme qui vont être parfois explicitement rejetés par le maître d'œuvre, Il va dire non, non, vous m'avez demandé, demandé une aire de jeu, mais en fait, ça ne sert à rien, ce n'est pas une bonne demande. Vous m'avez demandé un parking de 500 places, mais moi je vous dis que 250 places, ça suffit. Vous voyez Et parfois, d'ailleurs, ce, ce sont ces postures-là qui sont enseignées dans nos écoles. On vous demande d'avoir un point de vue critique vis-à-vis -vis du programme, euh, qui génère les projets les plus intéressants. N'empêche que... Vous voyez que ce rejet par le projet d'une partie des intentions portées par le programme vient épaissir le dossier du projet virtuel. Le projet, une fois validé, je vais très vite, hein, va être mis en œuvre dans le cadre d'un chantier. Mais là, c'est la même chose le chantier je viens de vous le montrer avec l'exemple du parc du Bois Laurent ne permet pas d'exécuter de façon rigoureuse le projet. Il y a des parties du projet qui, pour diverses raisons, ne vont pas être mises en œuvre. Et euh, ça, c'est un moment très important, le chantier, parce que ces parties du projet qui ne vont pas réussir à se mettre en œuvre s'expliquent peut-être par le fait que le projet avait minoré des éléments du programme. Je prends l'exemple du parc du Bois-Laurent, cette aire de jeu qui arrive. Dans le programme qui m'avait été confié, il y avait une demande d'aire de jeu. J'y ai répondu. Mais comme le font la plupart des paysagistes, c'est-à-dire pas en mettant des jeux avec une clôture autour et puis du sol souple en dessous. J'ai fait des murets, j'ai fait des, des pentes engazonnées de façon à ce que les enfants puissent avoir du plaisir à courir, à, à, à aller sur les murets, à jouer à saut de mouton, etc. etc. Euh, mais ça n'était pas formellement une aire de jeu. Cette aire de jeu, je dois bien constater qu'elle est revenue par la bande. Vous voyez donc le temps de l'exécution peut être un moment... C'est pour ça que je fais ces flèches en pointillés et que les deux projets commencent à communiquer. Euh, ça peut venir de là. Ça peut venir également d'une part de la demande sociale qui n'avait pas été prise en compte par le programme au départ et qui va se réexprimer au moment du chantier. Exemple, des riverains qui avaient porté la demande sociale à l'origine du projet dont la demande n'a pas été considérée, par exemple, je ne sais pas, ils voulaient des places de parking juste à côté de chez eux. Et c'est le propre du riverain que de vouloir une, une place de parking à côté de chez, lui, de chez eux. Eh bien, au programme, ça n'a pas été suivi. On n'a pas fait la place de parking. Le chantier commence. Les riverains retournent voir le représentant de la maîtrise d'ouvrage en réunion de chantier et font comprendre de façon très efficace, parce que les élections approchent, qu'ils veulent une place de parking. Et donc en plein chantier, on vous dit, Monsieur le paysagiste, Madame la paysagiste, vous allez nous rajouter une place de parking pour ce monsieur. Vous voyez Le chantier est terminé. C'est le temps de l'appropriation. Les usagers s'emparent des lieux. Cette appropriation, elle va être partiellement conforme au projet, mais partiellement aussi, elle va être en décalage avec les fonctionnalités installées par le projet. Ça va se traduire par des abandons de certaines parties des espaces publics qui ne seront pas utilisés. Ça va se traduire par des dégradations, des bancs dégradés, des plantations dégradées, ou par des détournements, des allées qui vont être détournées, des haies dans lesquelles on va faire un passage de manière à ouvrir une nouvelle porte d'accès. Donc vous voyez qu'à ce stade-là, l'étanchéité entre le projet officiel et le projet virtuel est devenue de plus en plus réduite, puisque le projet officiel, au fur et à mesure qu'il atterrit, est contaminé par le projet virtuel, jusqu'à finir par s'hybrider et par former ce fameux espace altéré dont nous pouvons observer les évolutions pendant les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 50 ans qui suivent l'élaboration du projet, selon les différentes figures topologiques que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure. Et comme cet espace est altéré, les riverains se plaignent se disent mais ce parc là c'est pas possible, il est tout bousillé, les bancs sont tout abîmés, euh, les allées là sont complètement ravinées, donc il faut faire un nouveau projet, c'est-à-dire qu'on retourne à la case départ de la demande sociale. Donc vous devez comprendre l'activité de projet comme un écosystème, hein, c'est très exactement la description d'un écosystème que je suis en train de faire, une écologie concrète par laquelle le projet s'engendre lui-même en agglomérant progressivement les actions d'une incroyable diversité d'acteurs. Alors, pour finir, je voudrais mettre en lumière quelques conséquences que la théorie que je viens d'exposer pourrait avoir sur nos pratiques professionnelles. Je les décrirai à partir des trois niveaux principaux de la maîtrise d'usage, de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, qui recouvrent l'essentiel du processus de production de l'espace public que je viens de décrire. Ça va, c'est des notions qui sont claires pour vous. Maîtrise d'usage, d'œuvre. Ouais. Bon. On pourrait évidemment s'attendre à ce que la théorie de l'altération paysagère fournisse un argument important en faveur d'une légitimation pleine et entière des actions influant sur l'espace public au-delà de sa programmation, puis de sa conception et de sa mise en œuvre. On appelle parfois maîtrise d'usage ce champ d'action assez flou qui regroupe aussi bien les démarches de conception participative que les actions d'animation des espaces publics destinées à en intensifier ou à en diversifier les usages et par suite à agir sur leur architecture. Je pense en effet que tout un champ de pratiques professionnelles doit continuer de se construire autour de ces segments du processus de production de l'espace public bien que la plupart des agences qui tentent de s'y consacrer depuis une vingtaine d'années peinent souvent à y trouver, comme on dit, leur modèle économique. La théorie de l'altération propose en tout cas de concevoir la maîtrise d'usage sur le mode d'une action directe sur l'espace, puisqu'elle considère comme absolument légitime les transformations que les acteurs biologiques et sociaux imposent aux espaces aménagés. Elle dispense ces actions de se soumettre à la délibération démocratique, qui prend généralement la forme de process de concertation ou de participation. La critique de ces process est largement faite par les sciences sociales, qui ont montré par de nombreux exemples comment la concertation et bien souvent les démarches participatives sont tôt ou tard instrumentalisées par le pouvoir politique et les intérêts de classe pour asseoir une forme ou une autre de privatisation de l'espace ou d'exclusion de certaines catégories sociales. Mais surtout, la concertation repose sur un postulat que la théorie de l'altération ne valide précisément pas et qui veut qu'il soit possible de parvenir à un projet qui satisfasse tous les besoins, toutes les attentes, toutes les sensibilités en présence dans l'espace public. Selon ce postulat, un bon projet est un projet qui, dans la mesure du possible, convient à tous, et la concertation doit permettre d'atteindre cette adhésion de tous au projet. Autrement dit, l'idéal porté par le projet est un idéal d'adéquation entre l'action transformatrice et le lieu qu'elle investit, compris dans ses multiples dimensions spatiales, sociales et environnementales. Je pense au contraire que cet idéal non seulement ne peut être atteint, mais peut-être même ne doit pas être recherché tant que nous vivons dans une société structurellement inégalitaire et donc basée sur des rapports de domination. L'idéal arcadien de l'entente parfaite a toujours été subtilement mobilisé par les classes dominantes pour gommer bien plus que pour traiter les conflits dont l'espace public est le théâtre. Par ailleurs, et c'est le point essentiel pour moi, l'absence de concertation trouve son contrepoids réellement démocratique dans le droit accordé à tout citoyen d'agir physiquement sur un espace qu'il jugerait inadapté à ses besoins. Il s'agit d'admettre comme un droit ce qui relève de l'ordre des faits. Nous savons tous que la vie sociale dans les espaces publics suit de plus en plus une logique de fragmentation, où chaque groupe s'approprie une partie du lieu, ou un créneau horaire de ce lieu, selon ses besoins. Et pourquoi faudrait-il s'en scandaliser le travail de la maîtrise d'usage devrait, de, devrait être non pas d'exclure certains usages, mais de travailler avec chacun pour établir entre eux des rapports pacifiques, voire conviviaux. Or, dans l'approche paysagiste, la nôtre, la convivialité résulte essentiellement de l'étendue. C'est l'étendue du paysage qui permet aux pratiques et aux usages les plus diversifiés de se côtoyer pacifiquement. Et comme le rappelle Gilles Vexlar, le paysagisme doit d'abord être un urbanisme de la distance. Notre mission est de préserver en milieu urbain et périurbain les plus grandes étendues possibles d'espaces ouverts pour que chacun puisse y trouver sa part. Les questions de design sont secondaires. C'est d'abord par une planification et par une programmation ambitieuse des espaces ouverts. C'est par la défense obstinée des vides contre les pleins qu'on établit les conditions paysagères de l'espace public. C'est pourquoi, selon moi, le malentendu que renferment les démarches dites participatives en paysage trouve son corollaire dans l'emploi de plus en plus courant du terme design pour nommer ce que nous faisons l'urban design, ou pire, le landscape design, cet art de dessiner, et souvent de surdessiner les espaces publics veut faire croire par de subtils géographiques graphiques qu'il est possible de mettre tout le monde ensemble, y compris et surtout là où il n'y a pas assez de place parce que le marché du BTP a saturé l'espace. Oh putain, je me suis énervé, là. Ouh, je vais redescendre un petit peu. On va parler de la maîtrise d'œuvre. C'est plus sympa. Alors concernant la maîtrise d'œuvre la théorie de l'altération voudrait naturellement revaloriser sa dimension créative. Dès lors en effet que nous renonçons à l'idée selon laquelle la phase dite improprement de conception du projet doit aspirer à produire un espace idéalement adapté à son environnement physique et social, nous renouons avec un enseignement qu'incarnait au plus haut point jadis Jacques Simon et qui assimile le projet à une proposition spatiale simple et radicale portée par une énergie forte un désir d'espace explicité par le dessin assumant ses propres limites mais restant aussi délibérément ouverte à sa propre altération. Les projets de Jacques Simon m'ont profondément marqué euh, et je les ai d'ailleurs souvent croisés dans les grands ensembles français. Les buttes, les cordons boisés, les rivières de galets qu'il a dessinées et mis en œuvre constituent encore aujourd'hui le gros œuvre d'un paysage urbain qui a largement évolué. Et on sait que Simon n'attachait pas trop d'importance à ce qu'il faisait, en dépit de l'intensité de son engagement dans chacun de ses projets. On est très très loin ici de la conduite très experte et très grave des projets contemporains, soumis à la validation d'instances toujours plus nombreuses, de garde-fous pléthoriques censés vérifier le sérieux environnemental, économique et programmatique des projets, comme s'il s'agissait de l'affaire la plus importante du monde. L'espace laissé à l'expérimentation s'en trouve réduit à une époque où, au contraire, les enjeux de la transition écologique doivent nous inviter à tester toutes sortes de dispositifs portant une vision créative de la mobilité, de l'exploitation des ressources, de la production d'énergie, de l'habitat, et j'en passe. Jean-Luc Brisson avait publié un très beau livre sur les paysagistes intitulé L'artiste, l'ingénieur et le jardinier. Je déplore que la seconde de ces trois figures l'ait emportée sur les deux autres et surtout sur la première, que nous devons à mon sens réhabiliter de toute urgence. Nos écoles doivent rester et peut-être redevenir des écoles d'art. Bon là vous croyez que j'ai fini mais non. Ce qui reste quand même la maîtrise d'ouvrage. Alors donc je finis avec la maîtrise d'ouvrage qui me semble être au fond l'instance de projet la plus importante à repenser à la faveur de la théorie de l'altération. Le propre des organismes de maîtrise d'ouvrage, c'est d'être durablement implantés sur le territoire. De ce point de vue, les agences d'urbanisme et de développement, les CAUE, les parcs naturels régionaux et les services chargés de l'aménagement régional au sein des collectivités territoriales devraient être les experts de ces paysages compris dans le temps long de leur développement, de leur transformation et de leur altération. De ce point de vue, nul plus que le maître d'ouvrage ne devrait être capable d'appréhender le projet qui se cherche à travers les péripéties des projets, ce projet au-delà du projet que j'ai proposé d'appeler le métaprojet. La maîtrise d'ouvrage devrait être l'archiviste du paysage autant que la critique de ce qui s'y construit et s'y dessine. Elle devrait être l'instance qui est capable de discerner, à travers les jeux d'acteurs et les apports hétérogènes de chaque catégorie d'acteurs, le paysage qui est en train d'advenir et vers lequel il est possible de tendre. Il me paraît essentiel de redire que la maîtrise d'ouvrage, non seulement est conceptrice autant que la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'usage, mais qu'en plus, elle occupe dans le processus de conception une place bien plus importante puisque c'est elle qui a autorité pour planifier les espaces, dimensionner leurs emprises, acquérir les fonciers qui les rendront possibles, toutes choses dont dépend directement leur capacité publique future, comme je l'ai souligné précédemment. Archivistes et visionnaires du paysage, les organes de la maîtrise d'ouvrage devraient retrouver l'enthousiasme et le sens de l'expérimentation. Qui caractérisait le Knerp ou les OREAM. La perspective ouverte dès la fin des années 60 par Pierre d'Auvergne, l'un de nos grands-pères, reste à portée de main à l'intérieur de structures d'assistance à maîtrise d'ouvrage, dont le format plus léger sera sans doute plus approprié que celui, hélas, boulimique et hypertrophié de la plupart des collectivités. C'est à construire une telle structure que je travaille depuis ces dernières années au sein du collectif scientifique LICOTO. Mais c'est une autre histoire. Il est temps pour moi de clore cet exposé que j'espère ne pas avoir été trop ennuyeux. Je vous remercie donc pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Denis, incroyable, une heure pile poil de, de conférence, donc c'est formidable en termes de timing, en termes de contenu aussi. Hein. Et euh, donc euh, je vous propose, si, si ça vous va, euh, de poser quelques questions à Denis et je fais passer le, le, le micro. Bah si, bah non mais si, non mais peu, peu importe. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence. Juge, j'ai pas entendu le nom de l'auteur qui considère qu'une étendue c'est un espace convivial. Enfin, l'urbanisme de distance. Oui. C'est euh... ça. C'est Gilles, Gilles Vexlar. Gilles C'est Et... un nom que vous avez déjà entendu. Euh, non. C'est l'un des plus grands paysagistes contemporains. Puis c'est pas c'est pas la génération des grands pères, c'est celle des pères. Hein. C'est pas comme si je vous en avais parlé. Mais bon. Un mauvais point pour vous. Gilles Vexlar et Laurence Vacheroux, c'est l'agence Latitude Nord. C'est une agence qui a opéré à partir des années 70, surtout dans le cadre, le cadre des villes nouvelles. Donc, ce moment incroyable là où des villes entières sortaient de terre et où ils ont pu mettre en œuvre des armatures entières d'espace publics. C'est M. Terrassement aussi, hein, Gilles Vexlard, c'est un type qui a. Une pratique du nivellement, d'une exigence, d'une précision et, il faut le dire, d'une efficacité incroyable. C'est-à-dire que, euh, bon, évidemment, là, je vais très vite, mais l'étendue, hein, construire l'étendue, c'est une vérité en plan. Il faut essayer d'en conserver le plus possible, mais c'est aussi une vérité en coupe. Hein. L'étendue, vous le savez, ça se construit aussi en coupe, en montant, en travaillant sur les vues, les effets de distance. La distance, ça se construit autant que ça se dimensionne. Euh, bonjour. Êtes -vous — Bonjour. — Où êtes-vous — Bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence qui était super intéressante et riche. Mais euh, je pense qu'il faudra un moment pour tout, euh, tout avoir en tête. Euh, je me demandais, sur la base de cette conférence, et en considérant que beaucoup de paysagistes euh, changent leur tirée pour se revendiquer paysagiste jardinier, paysagiste médiateur, euh, habitant, etc., est-ce que, du coup, il y a encore un sens à délivrer un titre de paysagiste concepteur, le concepteur étant celui qui conçoit un, un concept nouveau euh, du coup, est-ce que ça a encore un sens d'avoir ce nom-là Et est-ce que ça en a déjà eu, hein, du coup Ah oui, euh, ça en a déjà eu. Euh, ça, ça devrait en avoir à nouveau. Euh, les paysagistes concepteurs ont un rôle essentiel à jouer. Euh, on est à une époque où on a incroyablement besoin de leur travail. Et euh, l'évolution sémantique, bon, alors, le titre paysagiste concepteur, vous savez très bien que euh, ça a été une espèce de compromis assez merdique. Hein, euh, euh, parce que euh, vous savez que la France est le seul pays au monde qui ne reconnaît pas le titre d'architecte paysagiste. Hein. Jusqu'en 1986, il y en avait deux, c'était la France et le Népal. Voilà. Donc euh, les chiffres expliquent hein, tout simplement les choses. Moi, quand je, me suis, quand je suis rentré en école de paysage, à la fin des années 80, en France il y avait 30 000 architectes, 3 000 urbanistes, 300 paysagistes. Donc quand vous voyez que le marché du paysage est énorme alors que celui de l'architecture bah, il a quand même eu tendance à se rétrécir vous comprenez bien que les architectes ont tout intérêt à pouvoir garder une mainmise sur le marché du paysage et nous là, les 300 petits paysagistes maintenant je crois qu'on est 2200 quelque chose comme ça euh, ce qui reste toujours très peu euh, c'est très difficile pour nous de faire valoir nos compétences après euh, donc paysagiste concepteur moi je dis je suis paysagiste concepteur parce que je suis voilà bien élevé c'est le titre, voilà, donc j'ai dit paysagiste-concepteur. Paysagiste, voilà, c'est ça qui est important. Je travaille avec le paysage, pour le paysage. Après, l'évolution sémantique que vous évoquez, paysagiste-jardinier, pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est l'expression d'une évolution inquiétante. Je pense que le repli sur l'espace du jardin, ça fait tout à fait le jeu, justement, de ceux qui veulent occuper le terrain du paysage. Et je pense que plutôt que de s'appeler paysagiste habitant, ou paysagiste jardinier, ou paysagiste je ne sais trop quoi, on ferait mieux de dire qu'on est paysagiste, de revendiquer cet héritage, parce que la profession, elle a une histoire maintenant, ça fait quand même un siècle qu'elle existe, cette profession, euh, d'aller faire le bilan de ce qu'elle a donné, hein, de s'engager dans cette démarche critique de montrer, parce qu'on peut le faire maintenant, on a la distance temporelle pour montrer l'efficacité ou l'inefficacité de, de ce que nos, nos, nos aînés ont fait. Voilà. Il faut revendiquer, se ressaisir de cet héritage, plutôt que d'avoir honte de ce qu'on est et de, de, de se coller des qualificatifs qui, à mon avis, sèment de, de l'ambiguïté à un moment où, au contraire, il faut clarifier très clairement le champ de nos compétences. Je pense qu'on devrait inventer la Landscape Pride. Non mais c'est vrai. J'ai l'impression que les paysagistes, souvent, ont un peu honte d'être paysagistes. Vous savez, ils ont honte même de dessiner. Ils disent, oh là, j'ai dessiné un tracé cool. Est-ce que j'ai le droit de faire ça or, Cette ligne, est-ce qu'elle est bien Eh, <laughs> il faut se calmer un peu là. Hein. Votre ligne, si elle n'est pas au bon endroit, de toute façon, elle bougera. Hein. Donnez-vous le droit à l'erreur. C'est à ça que ça sert le dessin. C'est à ça que sert la créativité c'est on se plante joyeusement, dans les deux sens du mot se planter. Bonjour, ici, à gauche. <laughs> euh, merci beaucoup pour euh, cette euh, conférence. Euh, J'ai particulièrement aimé euh, le petit euh, passage sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout assez euh, à l'école, je trouve. Et du coup, je suis un peu curieuse du collectif. Et euh, du coup, si vous voulez nous en dire un petit peu plus. Euh, Alors, j'ai ramené un petit peu de documentation sur ce qu'on fait, mais je, je, je n'en ai que quatre exemplaires. <laughs> je peux vous expliquer <laughs> ce qu'on essaie de faire. Le collectif L'ICOTO, donc L'ICOTO, euh, ça veut dire L'île Cortraïque Tournée, parce que c'est un, un collectif qui travaille sur un projet de paysage depuis dix ans, euh, qui est un projet de création d'une forêt linéaire. Qu'on appelait autrefois trame verte spontanée, le long des grandes infrastructures de transport de l'Eurométropole lille cortray tournée (LICOTO). Euh, C'est un collectif qui est parti d'un constat, qui est que depuis, euh, allez, depuis une quarantaine d'années, euh, toutes les régions, toutes les métropoles de France et de Navarre s'engagent, disent s'engager dans des politiques de trame verte, de création de trame verte. Donc, ces grands réseaux, hein, euh, continuité d'espaces ouverts destinés à lutter contre l'érosion de la biodiversité, euh, tout en offrant une diversité euh, d'accès à des espaces publics plus ou moins informels euh, aux habitants des villes. Donc, 40 ans qu'on en parle, 40 ans qu'on publie hein, des articles sur la trame verte de Bordeaux, la trame verte de Lyon, la trame verte de Lyon, et 40 ans qu'en réalité, on ne fait rien. À très peu de choses près. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a sorti une belle carte, vous voyez, alors la carte elle est souvent faite, on repère, on repère des, 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 des réservoirs de biodiversité, appréciez la qualité du terme, c'est magnifique, un réservoir de biodiversité. Il y, a, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Après, on tire des flèches, ça s'appelle des corridors biologiques, pour les relier. Hein Et Une fois qu'on a tracé la flèche, on se dit, bon, alors, où est-ce qu'elle passe, la flèche ah, pas de bol, euh, elle passe au milieu des champs, elle passe euh, euh, au milieu des usines, euh, des zones d'activité, sur des terrains qu'on ne maîtrise pas, sur lesquels on ne peut rien faire. Le foncier, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas le foncier, vous ne pouvez rien faire. Si, vous pouvez faire des petits trucs à droite, à gauche et faire venir les journalistes et faire publier des beaux articles pour dire que vous avez fait planter quelques arbres à des enfants d'une école. Vous prenez bien la photo au bon moment. Hein, le... euh, voyez on fait de la communication, on ne fait pas du projet, c'est de la communication. C'est pour ça que la critique est nécessaire, parce qu'elle doit démasquer ce genre de stratégie. Donc, nous, on s'est dit, euh, comment est-ce qu'on pourrait vraiment faire des trames vertes, des vrais Alors, l'hypothèse de ce collectif, euh, elle peut sembler un peu tordue, mais en fait, elle, est, elle devrait vous sembler familière c'est de commencer par le paysage. C'est un collectif de paysagistes, au départ, enfin, créé par un paysagiste. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Penser la trame verte à partir du paysage, c'est-à-dire à partir de ce qui est déjà là, hein ce qu'on peut déjà partager, qui nous contient, c'est regarder sur cette eurométropole licoto ce qui fait déjà corridor biologique. Au moins potentiellement. Qu'est-ce qui ressemble déjà, au moins potentiellement, à des corridors biologiques Où est-ce qu'on peut trouver des grandes continuités vertes Eh bien, c'est le long. Des, des grandes infrastructures. Enfin, en tout cas, dans le contexte de cette eurométropole, qui, vous le savez, est une eurométropole assez urbaine, hein, quoique pas urbanisée, mais urbaine. Elle est peu urbanisée, mais elle est très urbaine. Donc effectivement, c'est un, un nœud. Hein, c'est un nœud d'infrastructures. C'est 650 km d'infrastructures. Donc 1300 km d'accotement, talus, bassins de retenue, diverses friches associées. Qui sont des espaces qui ont été vaguement plantés au moment de la construction de ces infrastructures, autoroutes, voies ferrées, lignes à grande vitesse, canaux à grand gabarit. Et puis après, on a laissé faire, puisque c'est quand même ce qui coûte le moins cher. Et aujourd'hui, euh, on a des continuités d'une espèce de forêt linéaire qui s'est constituée et dont on, dont on ne sait plus quoi faire. Par contre, les services gestionnaires savent qu'ils doivent faire quelque chose parce que ces boisements. Vous savez, quand on plante serré, hein, ce qu'on faisait à l'époque. Hein, on plantait du plan forestier hyper serré, un plan au mètre carré, et puis on se barre. Qu'est-ce qui se passe bah, Tout ça va pousser très très vite, hein, on cherche la lumière, et on se retrouve 30 ans, 40 ans, 50 ans après avec des taillis complètement étiolés, complètement instables, et qui à certains endroits aujourd'hui menacent la sécurité des infrastructures. Vous savez que quand vous, votre train arrive en, en retard à la gare, vous voyez le fameux message, problème de, alors de matériel, il y a une autre formule pour ça. Eh ben, une fois sur trois, ça correspond à des branches d'arbres qui sont tombées sur les voies ferrées. Donc, ils savent qu'il y a un petit problème. Il faut intervenir, mais ils ne savent pas comment. Hein, leur manière de faire, c'est de tout couper. Sauf que nous, ce qu'on a montré depuis dix ans, donc ça fait dix ans qu'on arpente ces, ces territoires-là, on a montré que c'est aussi effectivement une trame verte. C'est-à-dire qu'il y a plus du tiers de la flore régionale qui a déjà été identifiée, rien que sur 25 placettes choisies. À l'intérieur de cette trame verte spontanée. Plus du tiers, avec un certain nombre d'espèces patrimoniales. On leur a montré que ce sont aussi des espaces publics informels et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire des coupes à blanc sur un boisement qui constitue, aux yeux des riverains qui vivent juste à côté, un élément de leur cadre de vie. On leur a même montré que c'était une ressource. C'est-à-dire que pour eux, quand ils engagent un chantier forestier sur ces boisements-là, euh, ils hésitent parce qu'ils se disent ça va nous coûter très cher alors qu'en réalité ça doit rien leur coûter puisqu'ils extraient une ressource qui est du bois. En Belgique les chantiers euh, les chantiers de, 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 de recépage par exemple qui se font sur certains linéaires autoroutiers ne coûtent rien à la collectivité. l'entrepreneur se paye intégralement avec le bois et s'il n'est pas content on en prend un autre. En France on continue de considérer que euh, cette matière là, euh, c est, c est, voilà, on l'exploite à perte, c'est absurde. Donc, le collectif Licoto mène euh, un certain nombre de, de, de missions depuis dix ans. D'une part, un travail d'identification des potentialités environnementales, paysagères, économiques et sociales euh, de cette trame verte spontanée ou de cette forêt linéaire. Deuxièmement, euh, la production d'un atlas qui permet de visualiser ces espaces-là, de les faire connaître. Et d'identifier une piste qui permet de la longer, un peu dans la logique sentier métropolitain, GR 2013. Vous avez certainement entendu parler de ce genre de truc, sauf que c'est en vrai. Et puis enfin, engager des chantiers expérimentaux, de gestion expérimentale, sur des sites pilotes qui nous sont confiés par la collectivité, et donc sur lesquels on intervient. Là, en ce moment, on est sur une série de cinq chantiers qui représentent 60 hectares en tout et qu'on mène sur 4 ans. Donc on intervient, on fait un état des lieux préalable. Donc je ne l'ai pas dit, le collectif c'est un collectif pluridisciplinaire, hein. donc il y a des paysagistes, mais aussi des botanistes, des pédologues, euh, une anthropologue, euh, un forestier, enfin il y a plein de gens. Donc chacun euh, fait cet état des lieux, et puis en fonction de cet état des lieux, on propose à la collectivité un projet qui le valide, généralement. On le met en œuvre et puis on revient le printemps suivant. On regarde ce que ça donne. On mesure les impacts que ça a sur la biodiversité, sur les pratiques sociales, etc. etc. sur la productivité de bois. En fonction de ça, on reconduit certaines actions, on les modifie ou on les supprime ou on en invente d'autres et on fait un deuxième chantier. Donc quatre fois de suite comme ça. C'est un travail itératif qui associe une démarche d'analyse scientifique avec une démarche de projet de paysage. Et tout ça, ça se fait... Alors évidemment, comment faire ce genre de projet Pas en tant que maître d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage ne porte pas ça. C'est regrettable. Elle devrait le faire. Ça devrait être le boulot de la maîtrise d'ouvrage. Mais elle n'est pas en situation de le faire. Elle est en, en état... Où, vous savez, on parle d'impuissance publique. On est à l'époque de l'impuissance publique. C'est pas la maîtrise d'œuvre non plus, parce que ça n'existe pas, pour l'instant du moins, des cahiers des charges, des commandes qu'on adresserait à des paysagistes, par exemple, pour aménager tel linéaire euh, autoroutier. Donc, qu'est-ce que c'est Moi, c'est ce que, ce que j'appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que on, on fait valoir, on fait exister en fait ce projet auprès de nos interlocuteurs de la maîtrise d'ouvrage. On les amène progressivement à changer leurs pratiques, et de fil en aiguille, on pense réussir effectivement à faire exister cette chose-là. Et tout ça, c'est financé par des crédits de recherche. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit. Euh, il faut que vous compreniez bien que la recherche, c'est aujourd'hui l'un des espaces à investir pour le projet de paysage. La recherche, ça ne consiste pas, ou pas exclusivement, ça peut être ça, à penser le paysage. La recherche, ça consiste, je pense de plus en plus, à faire le paysage. Parce que quand vous êtes financé directement, comme c'est notre cas par le ministère de la Transition écologique, d'abord vous n'avez pas à rendre de compte à la collectivité, vous n'avez à rendre compte que de la scientificité de ce que vous faites, et là-dessus, il faut être très rigoureux. D'accord euh, Et puis, euh, voilà, vous, vous, vous pouvez avoir des, des formes de travail, inventer des méthodes de travail qui échappent finalement aux au cadre très contraint dans lequel exercent aujourd'hui la plupart des paysagistes-concepteurs. les cas de la maîtrise d'œuvre en particulier sont incroyablement contraignants et le sont de plus en plus et malheureusement pour l'instant on n'en voit pas le bout. on est pris dans une espèce de, de logique infernale qui nous, qui nous amène à, à faire des choses de plus en plus compliquées. voilà. C'est vrai qu'il y a plein de paysagistes pas mal, enfin un certain nombre de paysagistes qui se tournent aujourd'hui vers la recherche pour trouver des marges de manœuvre en fait, et explicitement c'est est, est, l'objectif. Deux questions, peut-être 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 des réponses un tout petit peu plus courtes. plus courtes. Pardon. Non 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 mais comme ça on, on a la place. Non c'est pas pardon. C'est comme ça ça donne peut-être la, la, la possibilité d'avoir plus de questions parce qu'en plus moi j'en ai. Oui mais nous on va boire un coup après. Euh, donc bonjour. Euh, moi, je voulais réagir sur... À euh, un moment, vous parlez du fait que quand on conçoit un projet, euh, ce projet se construit en même temps avec des facteurs euh, autres, comme euh, par exemple euh, biologiques et sociaux. Et en fait, je me demandais si on pouvait euh, quand même agir sur un lieu avec des facteurs euh, biologiques et sociaux dont on ne pouvait pas euh, contrôler, euh, par exemple euh, dans notre pays, euh, qui est un peu un pays des merveilles. Parce que je dis merveille, euh, par le fait qu'il y a beaucoup de parcs naturels, etc., et que ces parcs naturels, ils sont menacés justement par euh, des incendies, comme en Gironde, par exemple, mais euh, des choses qu'on connaît un peu moins, euh, comme la maladie de Calaros, euh, qui met vraiment à feu et à, à sang le frêne euh, tétard, qui est originaire du marais pointe vin, et euh, Comment expliquer ça? C'est que euh, vous savez, c'est l'arbre qui est un peu taillé et ramonné oui, oui, sur les côtés euh, et qui est emblématique on, du marais. On a les mêmes dans le nord, mais nous c'est des saules, ce pas des frênes. Et euh, du coup, bah, vraiment pouvoir peut-être en devenant paysagiste, est-ce qu'on aurait la capacité d'agir euh, sur euh, bah, là euh, le frêne tétard, mais il y a plein d'autres exemples. Euh, pour préserver euh, les parcs naturels. Euh, qui sont quand même euh, importants pour la biodiversité. Quoi. Oui. Je, je, je... <laughs> Là, c'est court. <laughs> Là, c'est court. C'est presque, presque un peu trop court. Mais, mais ah, je peux a... peut-être poursuivre. Euh... Non, mais juste quand même pour répondre. Il y a une recherche, par exemple, actuellement, qui est en cours, qui est menée euh, notamment par euh, Alexis Pernet. Un de nos camarades paysagistes sur les digues euh, du marais -de vin et qui sont des digues plantées d'arbres têtards hein, pour la plupart et donc euh, il est amené euh, à traiter ce problème-là, à l'aborder. Donc effectivement le, la, la question des maladies, la question des virus qui atteignent certaines essences, c'est une question qui est extrêmement importante qu'il ne faut pas améliorer. Il, il y a le cas du frene, il y a plein d'autres cas, les platanes, on peut penser. Le canal du midi. Donc, c'est des questions de recherche qui peuvent donner lieu à des démarches de projet. Là aussi, c'est très intéressant. Et Donc je oui, me permets de te renvoyer vers les expériences de paysage de l'année dernière, où on a précisément fait 1h30, 2 heures de conférence sur cette question-là. Donc, c'est sur, sur la chaîne YouTube de l'école. Donc, tu pourras t'informer là-dessus. Tout d'abord, merci pour euh, cet exposé, et puis euh, je salue aussi le travail que vous avez fait sur euh, de théorisation sur votre pratique, parce que c'est, moi c'est mon quotidien actuellement. Euh, ça fait 5 ans que je, je suis à mon compte, et effectivement on a vraiment cette côté d'hybridation des projets en fait, le on va dire informel est plutôt ce qui est formalisé en, par euh, par le programme. Euh, et du coup, moi je me posais la question euh, sur par rapport à la concertation, comme j'ai comprend pas forcément votre tasse de thé, mais il y a des manières de faire concertation sans forcément euh, photographe, ou euh, et de manière aussi on peut impliquer plus les habitants. Euh, et puis, cette manière, si vous avez réfléchi à d'autres manières de faire de la concertation, et aussi si vous avez réfléchi sur, vous avez déjà pratiqué peut-être ces chantiers participatifs avec les riverains, qui permet cette hybridation, on va dire, avant la toute fin et qu'on se dise, mince, il y a ce problème-là en toute fin de chantier, il faut repartir un peu de zéro. Euh, ça peut être aussi ces éléments-là d'avoir une sorte de, de temps d'échange avec les riverains sans la maîtrise d'ouvrage aussi. Si, euh, enfin, moi, pour, par exemple, j'ai expérimenté et c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, je ne sais pas si vous avez une expérience là-dessus. Bah, oui, il enfin, y, a, y a une quinzaine d'années, je croyais beaucoup à la concertation. Je, je, je l'ai pratiquée. J'ai fait des ateliers euh, autour des projets ou euh, sur des, des démarches à plus grande échelle dans, avec des parcs naturels régionaux, des choses comme ça. Il n'en est rien sorti concrètement, il n'en est absolument rien sorti, si ce n'est beaucoup, beaucoup d'heures à parler pour, euh, en fait, ne pas dire grand-chose. Ouais, effectivement, je, je suis extrêmement critique vis-à-vis euh, -vis de ça. Alors, euh, cela dit, la concertation, il ne faut pas se leurrer, c'est devenu une quasi-obligation. Euh, donc, il, y a deux. il me semble que pour des jeunes paysagistes qui vont devoir se confronter à l'exercice, il y a peut-être deux postures possibles. La première, c'est de faire le minimum syndical, cest à voilà, de la concertation purement formelle. Voilà. Et au moins, on peut dire qu'on l'a fait et on passe aux choses sérieuses. C'est-à-dire qu'on s'amuse un peu plus. Soit, oui, essayer d'expérimenter des formes de concertation un peu détournées et qui... Euh, permettent euh, à des habitants et non pas aux habitants hein, parce que ça il faut faire très attention hein, quand on dit les habitants voilà, dès que j'entends les habitants il faut travailler avec les habitants je dis oups j'ai un voyant rouge qui s'allume parce que ces habitants là c'est toujours un peu les mêmes quoi hein, vous le savez bien donc euh, c'est bien hein, qu'ils prennent un peu euh, la bêche qu'on leur fasse planter des trucs euh. moi j'ai fait des, des choses comme ça mais je trouve que ça serait plus sain de le faire après le projet, c'est-à-dire de concevoir ça vraiment comme une action corrective et une démarche de démocratie directe, plutôt que en amont ou juste avant la fin des travaux, euh, où finalement on donne la parole à une catégorie précise, plus ou moins précise, de la population. Voilà. Parce que quand même, malheureusement, on a beaucoup d'exemples de concertations qui ont eu des effets absolument désastreux sur l'espace public qui sont traduites notamment par le recours à des clôtures un peu partout. À Lille, le plus grand parc qui a été aménagé ces dernières années dans le centre. Et pourtant, Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup des parcs à Lille. Hein. Le parc Jean-Baptiste-Lebas, vous voyez Gaël et Louis. Hein. Bon, et ben on l'appelle le parc rouge. Pourquoi Parce qu'il est entouré d'immenses grilles rouges. Dans le projet de départ, il n'y avait pas de grilles. Ces grilles, elles sont arrivées grâce entre guillemets, à un atelier urbain de proximité, hein, où on a demandé aux riverains ce qu'ils pensaient du projet. Ils ont dit, oh, c'est super de faire un parc. Mais nous, on ne veut pas que les, les, les jeunes du quartier d'à côté, parce que ça se trouve juste entre le centre-ville et un quartier assez paupérisé de Lille, euh, viennent nous emmerder, euh, viennent embêter nos enfants et faire les cons euh, jusqu'à pas d'heure. Donc, mettez-nous des grilles. Ils ont mis des grilles. Tu vois, donc je, non, c'est des cas comme ça. Il y en a plein. Mais je peux vous en citer ça rien, ça rien. un nombre oui, ah, important. A... Mais oui, mais, mais la... le politique ouais. est faible. Il est, est, il est faible. Dans, dans nos démocraties, il est, il est très faible. Oui. Mais... oui et puis en même temps, moi, ce que je me dis toujours quand je conçois un projet, il y a la... effectivement, on, on donne une impulsion d'un un dessin ou d'une idée. Et après aussi, il y a, effectivement, il, y a, il peut avoir... C'est intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et après, c'est aux politiques, effectivement, de trancher, on prend on ne prend pas. Et c'est là la force du politique qui doit être importante à ce moment-là. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais en même temps, ils ont quand même leur légitimité démocratique. Pour le coup, les politiques, les maires, des élus, ils ont été élus par les riverains, par les habitants, en l'occurrence. Ce n'est pas des habitants, c'est par la population, vraiment. Ce soit enfin, ils ont une légitimité. Je me dis, moi j'ai ma légitimité en tant que paysagiste à, à être entre guillemets expert en paysage. Entre guillemets, je vais apporter euh, ce que j'ai apporté, mais au, euh, au final, la décision elle, est, elle appartient à cette euh, démocratie là aussi, quelque part. Donc, c'est pas évident aussi de, de c'est bien des de, de in intégrer, je pense, leur idée, écouter ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est hyper important, je pense. Mais après, c'est effectivement, c'est le politique et c'est toute la force des non, politiques. Attends, et ça repose la question aussi de la. De, de, de l'enseignement en fait, et de la compétence des maîtrises d'ouvrage dans le projet de paysage. Souvent, ils, ils, enfin, très, très, très souvent, enfin, 99% ou 95%, ils sont incompétents ou complètement incompétents. Et c'est aussi ça le problème, c'est dans la formation en fait, de cette maîtrise d'ouvrage. Et là où je pense qu'il peut y avoir une, une vraie solution pour nos projets. Mais je ne suis quand même pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter ce que les gens nous disent. Hein. Mm -hmm. Mais ça, pour moi, ça fait partie de la démarche de projet telle qu'elle est enseignée, je pense, dans nos écoles, euh, dès le départ. Enfin, euh, on écoute les gens au même titre qu'on se rend sur place, qu'on observe les plantes qui poussent. Euh, ça fait partie euh, de notre boulot de paysagiste que de euh, faire le projet à partir d'un état des lieux qui doit être le plus ample possible et qui inclut bien évidemment euh, euh, les propos tenus par les gens, mais surtout l'observation des, des, des pratiques sociales des traces qu'elles laissent hein, parce qu'on apprend beaucoup plus en regardant les traces d'usage que euh, en interviewant des gens mais on n'est pas sociologue quand même en plus on intervient très souvent sur des espaces sur lesquels la, 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 la présence des gens est quand même particulièrement difficile à attraper tu vois pas, quand tu trava... Alors, évidemment quand tu travailles en plein centre ville on peut dire que c'est relativement facile mais la plupart des paysagistes travaillent en banlieue voire en très grande banlieue souvent sur des espaces un peu marginaux, un peu délaissés, euh, sur lesquels euh, les usagers ne bah, sont pas forcément des gens qui ont envie de raconter ce qu'ils sont en train de faire. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois enfin, moi, avec le collectif Licoto, évidemment, on a surtout affaire à des prostituées, à des toxicomanes, à des Roms et à des manouches. Euh, C'est bien évident qu'on va pas aller les voir en leur disant, pouvez-vous nous raconter ce que vous voulez faire ici oui mais, oui, mais là, quand même, tu es un tout petit peu caricatural sur les, sur les méthodes. Ça m'arrive d'avoir cette tendance. Le, je dois le ce, ce, Mais bon, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je, je comprends ta critique. Hein. Je, 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 la, je la trouve parfois, effectivement, presque un peu. Un peu presque de la provocation. Oui, oui. Mais, euh, mais je comprends. Mais bon, les. Cette, cette, cette démocratie participative. Et puis j'aimerais bien qu'on change un peu de sujet aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. Euh, c'est sûr que si ça passe par des méthodes d'enquête dont tu parles, l'enquête, euh, bon, ben c'est nul, ça c'est sûr. Mais il y a plein d'autres manières de faire. Il y a beaucoup de monde qui ont, qui ont travaillé là-dessus. Bref. Mais, euh, mais, mais je comprends ce que, ce que tu dis. Euh, moi, je, je voulais revenir sur cette question de l'altération-là. Euh, tu, finalement, tu nous as raconté des altérations un peu heureuses. Euh, notamment à travers euh, ce parc du, du Bois-Laurent. Bois euh, une altération assez heureuse, et puis que tu as eu la, la, la philosophie de prendre aussi euh, comme, comme elle venait. Donc, ça, c'est très intéressant, euh, je, je trouve. Euh, Est-ce que dans les différentes euh, autres propositions que tu fais, l'île, la ruine, etc., il euh, y a des altérations qui sont un peu moins heureuses C'est un petit peu ça, ma question. Enfin, une de mes questions, mais. Oui. <laughs> Allez, non, en fait, ce que j'explique dans le bouquin, c'est que y a, tout phénomène d'altération, dans un premier temps, est vécu comme un drame personnel. Le parc du Bois-Laurent, j'en parle avec sérénité aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à y retourner, la première fois que j'y suis, suis retourné, après l'arrivée des skateparks, là, qui avaient arraché les pentes, je vous jure que j'ai été malade pendant une semaine, alors qu'à l'époque, j'avais une santé de fer. Et j'étais effondré effondré, j'étais attaqué physiquement, si tu veux. On met tellement de, de nous-mêmes dans nos projets que c'était plus, c'était l'un de mes premiers projets. Donc euh, au début, hein, on donne son sang quoi pour... Euh... Et euh, l'altération du projet, la première fois que tu, que tu, que, que tu y es confronté, c'est toujours d'abord une douleur. Ça serait mentir que de dire le contraire. Par contre, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, il y a autre chose qui se passe. Voilà. Il y a un travail de deuil sans doute à faire. Oui, oui. Et puis, euh, donc il y a d'abord un premier temps de, de stupéfaction. Ensuite, il y a le temps du deuil. Et après, il y a le temps où tu redécouvres les choses. Où tu vois que ce qui est en train de se passer, en fait, n'est peut-être pas si inintéressant que ça. Voilà. Donc, euh, bah, lisez mon livre. Hein. Il est vachement bien fait d'abord. En plus, il n'est pas cher. S'il n'est pas cher. Non mais c'est est la il est, médiathèque. Il est, il est conçu pour des étudiants, je, on écrit pour vous, quoi, hein, essentiellement. Euh, donc, vous verrez euh, les exemples qui sont donnés. Alors, le parc du Bois-Laurent est très développé. Les autres projets, euh, je vais plus vite dessus. Non pas que j'avais moins de choses à en dire, mais l'éditeur m'a dit, là, il faut te calmer parce qu'on n'en sort plus. Donc, c'est plus, plus court. Mais ça a toujours été très difficile au départ. Euh, La finalité de tout ça, c'est juste d'avoir conscience qu'un projet sera forcément altéré ou c'est de trouver des solutions pour avoir un suivi dans le temps. De du côté de la maîtrise d'ouvrage ou la, 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 finali la... la finalité, pour moi. <laughs> non, parce qu'on vous a dit que c'était soi, enfin, soit. Ça passait plus de la responsabilité de, de la maîtrise d'ouvrage à une fois qu'il a été fini le, le projet. quoi. — Non, l'enjeu. Le, le, moi, ce livre, je l'ai écrit vraiment dans l'idée que cette, cette théorie-là pouvait concourir à renouveler, à redynamiser euh, le paysagisme. Voilà, c'est-à-dire re retrouver une espèce de souffle, de plaisir à faire du projet de paysage, parce que je sens que euh, beaucoup d'étudiants en particulier, je suis souvent en contact avec les étudiants, euh, se questionnent là-dessus, encore une fois, sur la légitimité de ce qu'ils font. Ils, ont, ils vivent dans une espèce de peur, d'appréhension des choses. Et donc, euh, pour moi, l'enjeu numéro un, c'est d'abord euh, de retrouver cette espèce d'enthousiasme qui était celui euh, de nos de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, de nos pères, de nos mères, Il y a beaucoup beaucoup de femmes hein, dans, ce, dans, cette prof, dans cette profession. Et donc, euh, alors l'altération, pour moi, c'est une façon de passer au-dessus euh, des peurs que je pense déceler effectivement chez un, un certain nombre euh, d'entre vous. Euh, par exemple, en montrant que on a le droit à l'erreur. Je pense que comprendre ça, c'est extrêmement euh, salvateur, libérateur. Voilà. Moi, je voudrais qu'on se libère de cette espèce d'idée de, 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 toute faite, quoi. Que ce qu'on fait, c'est vachement grave. Et, et, et parce que ça, ça encourage aussi. Ça aggrave les choses, perpétuellement. Oui, c'est une, une mécanique infernale. Les, les, la commande va être de pire en pire si on continue de dire ça. Parce qu'on va dire « Oh, c'est tellement grave que... » Attention, alors, les paysagistes, euh, ils vont bousiller tout le milieu naturel. Donc on va leur imposer un écologue dans leur équipe. Ouais, puis, alors, en plus, bon, c'est quand même des rêveurs. Alors on va leur mettre un économiste du projet. Ouais, puis, alors, en plus, ils n'y connaissent rien. En on, oh, on va leur mettre un éclairagiste, un sociologue, un machin, un truc. Hein. Oui, mais ça, c'est très bien, à condition que le montant des honoraires, il augmente en proportion. Quand vous avez le même montant d'honoraires, vous savez que les honoraires, ça ne se négocie pas très très bien, même si ça remonte un petit peu ces derniers temps. Et c'est toujours le même paquet de fric. Simplement, au lieu d'avoir deux ou trois personnes qui se le partagent, ben maintenant, vous en avez six ou sept. Et quand vous avez le septième du paquet de fric, vous comptez le nombre de jours que vous pouvez consacrer au projet. Et ben, dans ce nombre de jours-là, vous pouvez faire un truc médiocre. Au mieux, médiocre, voire nul. Voilà. Vous voyez Mais tout ça repose toujours sur cette idée que. Le projet, il faut qu'il soit nickel, il faut qu'on qu coche toutes les cases, comme ça, on doit tout checker. Non, on ne doit pas tout checker, on ne peut pas, il faut le dire, on ne peut pas. Les projets contemporains qui ont répondu à des cahiers des charges ultra, exi... ultra exigeants ne sont ni meilleurs ni pires, quoique, que ceux qu'on faisait il y a 50 ans, à une époque où on disait à Jacques Simon, monsieur le paysagiste, allez-y, faites-vous plaisir, faites-nous un paysage. Ça n'est pas mieux. Ça n'est pas mieux. C'est peut-être pire. Vous voyez On prend une dernière question Non, mais c'était n'était pas une question. C'était plus une remarque. Je trouve qu'on a perdu aussi en enthousiasme en catégorisant beaucoup maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. On n'a plus cette liberté. On doit directement choisir. Euh, ah ben non, il y a ceux qui font les PLU et de ceux qui font. Euh... On est très catégorisé dès le début, en fait. On ne peut pas toucher. Si on veut toucher un peu tout, il faut être euh, dans une, une autre entreprise ou essayer de piocher des projets un petit peu à droite, à gauche, qui nous plaisent. Et c'est vrai que c'est compliqué de ne pas, au final, rentrer dans une routine euh, une, de l'agence qu'on a choisie ou euh, plus tard aussi, pour euh, voilà, essayer de, 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 de lier euh, le financier le... Ben vous avez raison, non mais c'est très lié, enfin ce que vous décrivez là aussi c'est l'évolution des modes de vie quoi, hein, qui font qu'effectivement les choses sont de plus en plus euh, on est en silo quoi, enfin, on doit choisir un, une, une voie et puis après c'est très difficile d'en sortir, bien qu'on nous dise que euh, si, si, justement, on est censé euh, y, euh, trouver des passerelles partout dans tous les sens. Euh, ça c'est vrai jusqu'à un certain point, hein, parce qu'à partir d'un certain âge que pour la plupart vous n'avez pas atteint. Euh, la possibilité de choisir se réduit quand même. Une fois que vous avez des enfants, que vous avez un prêt immobilier, bah, il faut bien que ça tourne. Hein. On a besoin de la caillasse. Hein. Donc à ces moments-là, euh, bah on hésite à changer de voie. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très important les années que vous vivez maintenant, hein, vos années d'études, et puis les 5, 10 années qui suivront, c'est celles où vous allez poser les bases. Euh, de ce que vous ferez plus tard. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être créatif par rapport au modèle économique qu'on cherche à se construire. Il faut se construire son, son propre modèle économique aussi, euh, parce que euh, c'est pas non plus une fatalité euh, ce que tu dis là. Par contre, il faut être un peu réflexif et se dire comment je veux travailler et qu'est-ce qui va me permettre de travailler de cette, de cette manière. Absolument. Euh, bon, euh, juste pour, pour préciser, pour être sûr qu'on qu qu se comprenne tous, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais cette théorie de l'altération paysagère, je pense qu'elle nous invite effectivement à relativiser nos actes, et ça c'est très intéressant, je, je trouve. Ça ne veut pas dire ne pas être sérieux, qu'on soit très clair. C'est même, même peut-être le contraire. Ça, ça, ça incite à être très sérieux, mais de manière un sérieux relatif, peut-être, je ne sais pas. Bah, c'est le sérieux que vous avez quand vous faites un château de sable. Alors moi, je parle <laughs> de l'idée que. C'est une idée que j'ai. Je pense que la plupart des paysagistes sont des gens qui aiment faire des châteaux de sable. Vous aimez faire des châteaux de sable Parce que c'est un peu de ça qu'on parle, hein, le château de sable. Vous savez que la mer va passer, qu'elle va tout ratisser, qu'à la fin il ne restera rien. Et pourtant, au moment où vous faites votre château de sable, vous êtes passionné. Vous ne pensez qu'à ça. Vous êtes à 300% dans ce que vous êtes en train de faire. Et ça n'est que du plaisir. Et parce que vous avez le droit de corriger quand, quand, quand vous êtes sur votre calque hein, en train de dessiner. Vous avez le droit de corriger. Le château, c'est pareil. Hein vous creusez la douve. Vous arrivez au moment où l'eau arrive. Les berges s'effondrent. Merde, 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 merde. Mon truc s'effondre. Bah, je la recommence un peu plus loin, ma douve. Hein, hein Puis c'est très rigolo. Voilà. voilà. Donc c'est ce sérieux-là. C'est du sérieux. Euh... On est sérieux quand on s'amuse vraiment, quoi. Je vous propose de vous arrêter sur cette belle dernière phrase et peut-être bah, on se retrouvera un de ces quatre sur une plage pour faire des châteaux de sable. Et bonne soirée à tous!